vaincre l'ennui avec fraises, kiwis et pamplemousse. Salut, c'est Fraise. Aujourd'hui, je vais te montrer comment jouer à Devine la chanson. J'ai plein de belles alternatives à te proposer pour que tu puisses personnaliser le jeu comme tu le préfères. Comme son nom l'indique, le jeu est très simple. Une personne fait jouer une chanson et l'autre tente de deviner ce que c'est. Il y a plusieurs manières de faire jouer la chanson, avec chacune un certain niveau de difficulté. Dans la version la plus facile, tu fais tout simplement jouer la chanson à partir d'un téléphone. Tu peux la chercher sur YouTube, par exemple. Si tu cherches quelque chose d'un peu plus difficile, tu peux chanter l'air de la chanson, mais sans les paroles. Si tu cherches un défi, tu peux faire le rythme de la chanson en tapant dans tes mains ou en tapant sur la table. Sans les paroles et la mélodie, c'est encore plus difficile de deviner c'est quoi la chanson. Pour compter les points, tu as encore une fois plusieurs options. Tu peux soit chercher uniquement le nom de la chanson, ou la chanson et l'artiste, où chaque réponse équivaut à un point. Si tu décides de chercher le nom de la chanson et le nom de l'artiste, tu peux soit décider d'obtenir un point pour chaque bonne réponse, ou d'obtenir un point seulement si les deux ont été trouvés. Prenons cette feuille de réponse corrigée comme exemple. Si tu devais chercher uniquement le nom de la chanson, tu aurais eu 3 points. Si tu devais chercher le nom de la chanson et le nom de l'artiste, et que tu devais trouver les deux pour avoir une bonne réponse, tu aurais eu 2 points. Si tu pouvais trouver soit le nom de la chanson, soit le nom de l'artiste, tu aurais eu 6 points. Si tu ne sais pas quelle chanson mettre, tu peux toujours chercher sur YouTube. Il existe des compilations de chansons que tu peux utiliser. C'est aussi une bonne idée si tu joues tout seul, car il existe des jeux de devine la chanson sur YouTube. Voilà! Avec toutes ces options, tu vas probablement en trouver une que tu aimes. Puis si jamais t'es tanné de jouer, tu peux juste faire jouer de la musique et danser dans ton salon. Amuse-toi bien et à bientôt!